Hey! Avant toute chose, avant de me lancer dans la vidéo, je vous mets là en gros, en large, en long, en travers, le lien de ma seconde chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous y abonner. De toute façon, si vous vous abonnez pas, je lance pas la suite de la vidéo, hein, qu'on se le dise de suite. Donc c'est une chaîne où je fais un peu de tout. Donc voilà, comme ça, vous me demandez plus où elle est. Oui, j'attends toujours de vous y abonner, hein. Je compte pas changer de truc, non mais on a tout le temps, hein. Ok. Alors stop, vous ne bougez plus, ne bougez plus d'un centimètre. On va rentrer dans le vif du sujet, mais c'est moi ou se rouler une grosse pelle, c'est carrément dégueu. Bah. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai reçu beaucoup trop de questions sur Ask du genre j'ai jamais fait de premier bisou. Et logiquement, moi je réponds vrai bisou. Et là, le drame. Bah, rouler une pelle quoi. Alors non, je vous le dis. Manger la langue de l'autre ne signifie pas un vrai bisou. Je sais qu'au collège, je vais généraliser grave, je le dis de suite, mais je sais qu'au collège on a tendance à dire que le vrai bisou c'est se rouler une pelle, c'est être swag, sinon c'est être une coincée. Mais à quel moment se rouler une pelle ça signifie être swag? Après oui, il y a différencier grosse pelle avec bisou avec la langue. Quand moi on me dit rouler une pelle, j'ai vraiment cette image dégueulasse de deux langues qui arrivent, qui s'enroulent comme deux limaces. Et quand les têtes se séparent, il y a le petit filet de bave. Voilà, je trouve ça vraiment hardcore en fait, comme image. Et plus jeune, je me sentais pas du tout normale en fait de pas kiffer ça, parce que voilà, quand on kiffe pas ça, on passe pour une grosse coincée. Le gros calvaire. Ah oui, il existe le bisou avec la langue, pour moi c'est plus un bisou où tu t'approches de l'autre, t'ouvres délicatement ta bouche, tu laisses glisser ta langue sur ses lèvres ou sur ses dents, rien de plus. Pas besoin d'échanger, ça bave. Voilà quoi. C'est pour moi, il y a une différence entre se rouler une pelle et un bisou avec la langue en fait. Après aussi, c'est peut-être dû au fait que j'ai horreur de la bave depuis gamine. Mais genre, j'étais trop une chochotte. Mes parents, ils pétaient un câble, je ne voulais pas boire, je ne voulais pas manger. Tout ce qui avait rapport avec la salive, la bouche, etc., ça me dégoûtait. Et aujourd'hui, ça va mieux. Je peux boire derrière mes potes. Mais après il y a des choses qui m'écœurent vraiment, genre tout ce qui est bave et tout, bref. Après, voilà, chacun ses histoires, chacun ses bails avec la bave, mais moi voilà c'est un truc qui m'écœure. Après voilà, comme je dis, il y en a qui adorent la bave, il y en a qui adorent se rouler des grosses pelles. Je ne suis pas du tout, enfin je critique pas du tout cette pratique, mais cette vidéo c'est surtout pour vous dire que non, se rouler une pelle c'est pas le bisou officiel, sinon t'es une grosse coincée, etc. Il y a différentes sortes de bisous, la pelle n'est pas le vrai bisou, hein. Il n'y a pas de méthode parfaite, voilà, un bisou est un bisou, de contact avec la bouche c'est un bisou, pas besoin de fourrer sa langue pour dire j'ai fait un premier vrai bisou, enfin voilà. Pour moi le premier vrai bisou c'est le bisou que vous faites avec passion et avec amour. Voilà, c'est pas forcément celui que vous faites avec votre langue. Et en fait, je sais que mes trois dernières relations, dont celle que j'ai avec mon copain actuellement, je leur avais posé la question et ils m'avaient dit aussi que si j'étais arrivée direct en leur fourrant ma langue dans leur bouche, voilà, c'était pas leur kiff, eux, de rouler des grosses pelles, voilà. Et ça m'a fait rire parce que je sais que si un gars, il arrive en soirée ou etc., et ça a toujours été comme ça, hein. Si le mec arrivait et qu'il a me roulé une grosse pelle bien baveuse, c'était vraiment un stop direct. C'est un tue l'amour pour moi, je trouve, je sais pas, c'est un viol de mon espace personnel. Voilà, ma bouche c'est ma bouche. Non voilà, je suis pas pour, pour cette pratique. Voilà, pour moi, les bisous sensuels, ok, les bisous, ok, les bisous voilà, ok, mais les grosses pelles... c'est-tu l'amour? Après voilà, vous avez le droit d'aimer ça, hein. Je ne suis pas là-dessus, mais voilà, moi c'est pas mon truc. C'est pas ma tasse de thé, voilà. Il y a de tout dans la nature, mais c'est surtout, cette vidéo est surtout faite parce que plus jeune, j'aurais bien voulu tomber sur une vidéo comme ça pour que je me sente un peu normale. Parce que voilà, je passais pour une grosse conne à dire non, moi je kiffe pas ça, bouge. Et voilà, je me suis un peu sentie rejetée de voilà, parce que c'est tellement dit de façon claire, officielle, nette à cet âge là que je me suis dit il faut vraiment que j'en parle parce que je ne tolère pas
cette idéologie. Voilà, ne vous prenez pas la tête si vous n'avez pas envie de rouler une grosse pelle baveuse. Voilà, si vous aimez ça, faites-le. Si vous n'aimez pas, ne le faites pas. Ne vous forcez pas à faire des choses pour quelqu'un. Hein. Vous êtes libre et vous pensez ce que vous voulez. Ne vous forcez en rien. Tous les goûts sont dans la nature. Si votre goût ce n'est pas ça, vous rencontrerez un garçon qui n'aime pas aussi. Et puis voilà, ne vous prenez pas la tête pour un bisou. Voilà, en gros, tout ce que vous avez à retenir, c'est lors d'un premier bisou, c'est l'intention qui compte et non le fait de mettre la langue. Voilà. Sur ce, je me carapate et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao.